Voilà. Allez. Hop. Voilà, les amis. Non, oh putain, non, mais sérieux. Je claque une popo, quoi. Je reviens pour faire le noob. Pas. En direction. Je repars en direction de là-bas. Il faut que je fasse gaffe parce que regarde bien. Alors j'ai récupéré. Voilà, voilà, j'ai trouvé. Voilà, tu vois, regarde, Yves de Nels. J'ai trouvé la carte de la péninsule ici. Du coup, voilà, tu vois la direction, c'est vers ici. Ça veut dire que. Ça c'est une zone que t'as pas visitée, j'imagine, ici. Toi. Tu vois, ça tire à partir de la forteresse là-bas. Ça, tu vois, ça fait de l'aventure. Oh, y a un truc super joli ici. Là. Ah mais non, c'est l'arbre qui... Wow! D'accord, c'est regarde, c'est le géant là-bas qui... Wow! Wow, 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 wow. Il faut que j'arrive à courir. Là, je vais récupérer ces petits trucs là. Je me faisais massacrer par le moindre mob. Donc c'est pour plus tard, je pense. Ah bah oui! Faut que j'arrive à passer, à entrer dans la. Oh. Ce truc là. De passer par là pour essayer de l'esquiver un peu. Mais juste genre un petit peu juste. Hein. Il est là, géant. Vraiment ça, quoi. Que j'arrive à... Yes. Putain. J'ai réussi à le truc, mais... Bah, il s'est réinitialisé. Bon, je suis rentré dans la forteresse, ça c'est cool. Évidemment. Évidemment. Bon, en même temps, tu me diras, j'ai zéro. Attends. J'ai zéro truc, j'ai rien à perdre. Hein. Oh, c'est qui lit le message? Chagrin 3 devant. Je sais, non, j'avance plus dans la forteresse quand même. La forteresse, je sais pas pourquoi, mais à mon avis, c'est pas pour mon niveau. Oh putain.
Wow, wow, wow. Ah, mais sérieux? Non mais allez. Puis j'ai calculé toutes mes popos ici. Wow! Ce serait bien que vous attaquiez quand même. Voilà, que vous serviez quelque chose quand même. Je sens que je vais crever là. Là j'ai vraiment plus rien pour me régénérer. Hein. Enfin, je vais me barrer par là. On va essayer de. J'ai pas quelque chose dans mon inventaire qui puisse. Je sais pas moi. Magique. Mais il fait bien un endroit où se situe. Moi j'ai vraiment plus rien quoi. Attends, fabrication d'objets. Apparemment. C'est une fois passé sur guide. C'est un ami. Ouais, LPV. Ouais, là j'ai rien du tout. Ah, si je meurs, je meurs. Et voilà. C'est quoi ces poulets là? Bon. Mais écoutez, vous savez quoi? Vu que j'avais de toute façon j'ai pas beaucoup de trucs et vu que de toute façon on arrive à. Au terme de ce premier épisode qui sera découpé en plusieurs parties sur YouTube. Voilà les petits. Je vous laisserai tout. Au moins ça sera vous aurez l'expérience comme le live, mais ça sera découpé en plusieurs parties. Juste pour le lol. Hein. Juste pour le lol. Hein. Ça vous dit?
Il rapporte que dalle, quoi. Mais c'est quoi cette blague? Il te fait chier juste parce qu'il est imposant, mais c'est tout, quoi. Mais carrément! Voilà les amis. Regardez. Après une belle victoire, on va dire. On est à l'ascenseur du château de Van Hurlan pour récupérer du coup la forteresse du seigneur Kenneth. On va se laisser ici pour ce. Pour cette première partie d'aventure sur Elden Ring. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui m'avaient suivi sur Twitch en direct. Ou pour ceux qui regardaient cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme je vous ai dit, elle est découpée en plusieurs parties. Je le découperai, même si du coup je me suis pas arrêté pour dire blablabla. Je mettrai à suivre. Mais vous aurez comme ça, le temps que je fasse le montage, que je le coupe à peu près entre 20 et 30 minutes par épisode. Si c'est le cas, pour chaque épisode, bon, même si vous verrez ça qu'à la fin, je vous l'avais dit en début, j'enregistrerai peut-être une nouvelle vidéo. Lâchez des gros méga pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube. Enfin, peu importe, n'hésitez pas à la partager, à liker au maximum. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. Pour le live, vous avez le lien dans la description pour la chaîne Twitch si vous voulez partager cette expérience avec moi, si vous avez des questions à poser. Pour l'instant, la coopération, si vous êtes sur PC, je vous la conseille pas trop parce que malheureusement, avec Ibnels, un de mes followers, on a essayé et de toute façon, vous l'avez vu, mais ça arrêtait pas. Il y a eu plusieurs déconnexions, donc on a préféré arrêter là. C'est plus simple. Donc, je continuerai cette aventure en live avec vous. Donc si vous voulez me suivre sur ma chaîne Twitch, c'est Thunderskin, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez me faire des challenges également sur Elden Ring, n'hésitez pas, il y a mon Twitter également dans la description. Thunderskin avec le E de Thunder, c'est un 3. N'hésitez comme ça, vous faites le hashtag Elden Ring ou hashtag je sais pas quoi. Vous proposerez si je peux les sondages ou autre, mais vraiment si vous êtes un maximum à vous y abonner sur mon Twitter. Donc, et mon Instagram également, où vous pourrez découvrir, même si je ne poste pas trop dessus quand même, vous proposer, ben, je pourrais vous prendre par exemple une photo de mon setup, avec mes deux écrans, clavier, souris, manette, Xbox, etc. On se retrouve donc en direct dès mardi soir, 20h. Et vous retrouvez donc ces vidéos assez rapidement. Et puis il y aura d'autres choses également qui arrivent, la suite de Starbound avec l'épisode 6. Les classiques de l'horreur. Faut, je pense le tourner le mardi après-midi. Ben, je préfère pas trop m'avancer sur Amnesia. Je devrais, donc, il devrait sortir normalement dans le courant de la semaine prochaine. Hein. Avec justement le même setup, contrairement à Penumbra, mais avec le même setup ben, que vous me voyez là actuellement sur Elden Ring ou sur Dark Souls 3. Dark Souls 3 que l'on reprendra, je pense. D'abord, il y a Elden Ring, quoi. Il vient tout juste de sortir. J'ai envie de profiter de ça avec vous, pour mon plaisir, pour le vôtre. Et l'hebdo du JV qui revient dès dimanche. Le premier épisode vous a beaucoup plu. Eh bien écoutez, dimanche, allez, petit teaser, il y a du Street Fighter 6, il y a du PSVR 2 qui a été présenté par Sony mardi dernier. Street Fighter 6, lui, c'était lundi. Et voilà, et du coup, on reparlera d'Elden Ring où je vous verrai des images de ce qui s'est passé ce soir. C'était un Thunderskin. Lâchez des gros pouces bleus pour le soutien. Suivez-moi sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube, venez sur mes différents réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les amis. Bye bye!